tous ensemble avec les membres du groupe d'inventer un nouveau mode de vie. Déjà de quitter la ville, habiter autrement, consommer autrement. De pas lire que dans les bouquins et de le vivre quoi. Aller de toute façon vers ce qu'on appelle la frugalité. Un projet qui soit écologique, qui soit local et qui ait du sens pour le territoire aussi. Il fallait aller vers la coopérative. Quand même un choix qui n'est pas anodin. Avoir un système qui permet de ne pas avoir de spéculation immobilière possible, bah ouais, ça me parle, ouais. Proposer aux enfants un autre modèle que notre vie en famille nucléaire, en fait. S'il y a l'envie de partage. On se doit de réapprendre cette conscience collective. Voilà, ça va forcément avoir un retentissement, quoi, sur ce que nous sommes aussi. Il me tarde d'embarquer, ça c'est évident. Ben c'est vrai que c'est une aventure qui s'ancre maintenant vraiment dans la matière, avec tout ce que ça signifie de même parfois de violent, parce que les premières fois qu'on a revu le terrain après les premiers creusements, etc. Et en même temps, si on veut que quelque chose émerge, il faut bien passer par là, quoi. C'est une phase de transformation très profonde. Comment les gens qui vont intervenir sur le chantier vont être inclus dans cette démarche et comment ils pourront, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir en apprendre, comment on va pouvoir interagir pour que ça devienne une aventure chouette pour tout le monde, quoi. Là, on est sur du calcaire, directement sur du calcaire, donc c'est un matériau très, très, très dur. Donc voilà, les fondations, il faut du gros matériel et beaucoup de temps, surtout pour arriver à faire les fondations, quoi. La plateforme a été faite par le VRD. Nous, on s'occupe du terrassement des fondations sur chaque bande. Et après, donc, on fait les semelles filantes. Donc, on fait un système de semelles filantes et après, des longues rines avec un mise à port, un remblai sous dallage là, isolant. Et après, on viendra faire un béton ciré, une dalle en béton ciré sur les quatre bandes. La première particularité, c'était le fait de préserver le terrain en lui-même, tout ce qui est les arbres, tout ça. Donc c'est un peu particulier parce que nous on a l'habitude quand même de faire des grosses livraisons et tout, donc il faut s'adapter avec l'environnement. L'autre particularité, c'est le mise à port, donc le remblai sous dallage, que c'est la première fois que moi je me sers, donc qui est un matériau isolant, donc c'est une nouveauté pour nous. Pour l'instant, tout se passe bien. On a l'avantage en fait d'avoir des acteurs qui sont très sensibles donc à ce genre de projet, à la mobilisation de ressources innovantes. Et donc en fait, il y a un vrai dialogue qui est instauré entre tous les acteurs, que ce soit l'architecte, le maître d'ouvrage, les entreprises et moi-même. Et c'est ce qui favorise grandement en fait la simplicité du projet dans son exécution.
et le fait que tout se passe bien. Donc il y a un vrai dialogue constructif qui est en place avec des réelles recherches de solutions pour vraiment coller aux besoins du maître d'ouvrage, qui est de maintenir au maximum la mobilisation de matériaux biosourcés. Le premier contact avec Gécolosi s'est passé d'une façon assez inattendue, on va dire. Quelques membres de Gécolosi sont venus me voir en disant « voilà, on a un programme de logement pour nous, un système coopératif, participatif, etc., écologique. On a vu ce que vous faisiez et ça nous intéresserait de faire ce travail d'élaboration de projet avec vous. » Et comme la demande est rare, d'habitants groupés, organisés, demandent un habitat écologique, eh bien, on a, entre guillemets, sauté sur l'occasion, dit oui, commencé à travailler, sachant que le groupe existait déjà depuis pas mal de temps et avait déjà beaucoup réfléchi, travaillé. Le programme était fait avec le nombre de logements, le terrain était choisi avec cet éco-quartier auquel nous, on a ajouté nos propres exigences en matière d'éco-construction et d'architecture. L'implantation de la grue, c'est déjà c'est où il y avait de la place principalement, parce que bon, faut quand même qu'avec la flèche on puisse desservir par rapport à une question de distance et de poids plus loin quoi. Et puis après l'optimisation d'arriver à essayer de faire avec un placement de grue de bâtiment, c'est quand même l'idéal. Donc si on devait déplacer 4 fois la grue pour les 4 bâtiments, c'est 4 jours de travail, alors que là, ça en va faire que 2. Vu que l'entreprise elle travaille principalement en déplacement, le choix du montage, c'est la préfabrication poussée au maximum, histoire de minimiser le temps sur le chantier et du coup les frais de déplacement. Du coup, on arrive avec des caissons et de toiture et de murs entièrement montés, qu'on n'a plus qu'à assembler ensemble fixé sur la maçonnerie à travers des listes d'implantation et puis des équerres antisismiques et puis couturer les murs entre eux ainsi que les caissons de clôture. Voilà. C'est une sorte de gros Lego. Le travail consiste principalement, on arrive, on fait l'implantation sur la maçonnerie qu'on a réceptionnée au préalable au maçon, et après on lève les murs ossature bois, puis les caissons de toiture. Voilà, on assure, on fait jusqu'à la préparation du support pour l'étanchéité à l'eau au-dessus et le barrage.
Ça se passe très bien, que ce soit en conception, au niveau même de l'ambiance générale, les gens suivent, répondent. Un peu d'inertie sur certains lots, mais ça c'est, on va dire, habituel. On leur demande beaucoup au début parce qu'on a besoin pour intégrer leurs besoins dans nos structures. Parce qu'à partir du moment où on fait de la préfabrication, ça nécessite forcément d'anticiper les choses beaucoup plus en amont. Même pour l'étancheur, il faut qu'on arrive à maintenir le hors-d'eau hors-d'air tout de suite. En fait, ça c'est l'intérêt de tout le monde. Notamment avec les éléments biosourcés qui sont plus spécifiques en termes de protection. C'est pas de la laine de roche ou de la laine de verre qui peut prendre l'eau sans problème et qui ne va pas se dégrader dans le temps. Autrement, c'est un chantier très très intéressant et qui montre un peu aussi notre savoir-faire. Quoi. La particularité, c'est que c'est plusieurs petits logements, donc ça c'est quand même pas commun. C'est quand même pas commun en termes et de levage et puis de préparation en atelier et de conception. Après, c'est le point que je peux relever moi personnellement, c'est la gestion des déchets que je trouve qui est pour une fois bien abouti sur un chantier. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que ça vienne de plus en plus. Le choix des matériaux, on a quand même de plus en plus de chantiers qui tendent vers des choix d'isolants biosourcés ou en tout cas d'origine naturelle. Donc c'est bien, ça a une tendance à confirmer là-dedans. Et voilà, par contre, on peut dire quelque chose aussi, c'est l'accueil. L'accueil, déjà le petit pot, il y a des choses qui se font plus vraiment sur les chantiers. Le petit pot d'accueil a été bien apprécié. Et on ne sera pas là, mais il y a des soirées aussi prévues, c'est sympa. Tu le vois, le cadre qu'on a essayé de trouver. Et la paroisse arrive là. Franchement, c'est des artistes. Hein. Non, c'est bien, ça bouge. Hein. Et la fenêtre de ma chambre. C'est ça, c'est ça. Il y a deux accès terrasse. Ouais. Si on rit. Eh bien écoutez, je découvre le chantier avec beaucoup de plaisir. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on se dit que ça fait petit sans les murs. Et que dès que tu mets les murs, d'un seul coup, ça devient gigantesque. Quoi. Qui sont souvent novateurs, mais qui malheureusement, par des freins réglementaires, ne peuvent pas être mis en œuvre aussi simplement que des matériaux dits traditionnels. Si vous comparez un dossier écologique et un dossier qui ne l'est pas, vous vous apercevrez que le dossier écologique est épais comme ça et le dossier qui ne l'est pas est épais comme ça. Pourquoi ? Parce que simplement, il va falloir aller contre les habitudes pour mettre en place les solutions d'amélioration de la situation environnementale dans laquelle on est, et qu'il va falloir justifier et convaincre beaucoup plus de monde que si vous faites, entre guillemets, comme d'habitude.
là un peu en bas quand même. La thématique ici a été d'étudier le projet pour identifier le plus en amont possible, en tout cas qu'il a été possible, lorsque nous avons été consultés des risques, des points sensibles en étant chez Italair, de manière à permettre aux différents acteurs, donc maîtrise d'œuvre et entreprise, d'échanger de leur gestion du traitement de ces différents points sensibles en étant chez Italair. Donc l'idée, c'est de rechercher ces fuites-là, qui sont finalement des pertes thermiques qu'on ne veut pas. De manière à voir effectivement où est l'enjeu ailleurs et pour rendre évidemment le bâtiment plus performant. Voilà, tout simplement, ça nous permet d'identifier qu'il y a une fuite. Il y a quand même un paradoxe dans ce type de bâtiment, notamment avec les objectifs de résultats d'étanchéité à l'air très pointus, parce qu'on est à 0,2 m3 là, pour des donneurs d'idées, donc c'est l'équivalent d'un bâtiment passif. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de mettre en œuvre des produits type par vapeur à l'intérieur, qui sont faits quand même à base de plastique. Ça, c'est un gros paradoxe. Alors là, on a encore des efforts à faire. Malheureusement, comme dans tout pays, et la France fait partie des pays qui sont vraiment friands de tout normaliser, de tout cadrer, de tout contrôler, la construction, le monde du bâtiment est aussi très contraint par énormément de normes, énormément de lois, d'arrêtés et décrets. Et c'est vrai que l'engouement qu'on peut avoir lors de la construction d'un projet peut être très vite freiné par le respect de toutes ces exigences-là. Nous, les premiers dessins, comme on est sur du rocher, les premiers dessins, c'était des constructions qui étaient quelques dizaines de centimètres au-dessus du terrain. Sauf que si on faisait ça, les gabarits urbanistiques réglementaires ne passaient pas, donc on n'aurait pas eu notre permis de construire. Donc voilà, on est obligé de s'enfoncer. Tout ouvrage construit en France est régi par un certain nombre de normes. Et donc ces normes sont avant tout élaborées par des groupes de travail. Ces groupes de travail sont principalement constitués donc d'entreprises, de fournisseurs, de bureaux de contrôle pour certaines, mais principalement en fait d'industriels. Effectivement, il y a encore des produits où on est tributaire de certaines industries dont on aimerait se détacher, quoi. Mais après, la technique nous impose de le mettre en œuvre. On n'a pas le choix en tant qu'entreprise pour des questions purement de garantie. Donc ça veut dire que voilà, après il faut résoudre ces contradictions au mieux de ce qu'il est possible pour avancer dans le projet. Ce qui peut aider à continuer à ce développement des projets pertinents d'un point de vue écologique, c'est de continuer à les faire, de s'entourer de personnes qui sont ouvertes d'esprit, et c'est en empilant un grand nombre de petits projets qu'on arrivera à se faire entendre et donc à avoir une certaine influence dans le monde du bâtiment. L'engouement du biosourcé est présent, c'est plutôt la démarche administrative qui est un frein au projet. Sur ce chantier, on a 12 entreprises actuellement. Ils ont besoin d'une forme de pédagogie pour leur expliquer un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ce chantier et d'essayer de les impliquer aussi à rentrer dans cette réflexion et dans cette nouvelle manière de faire qu'on leur demande. Voilà. Donc on leur demande de s'adapter. Et je pense que l'intérêt d'un chantier comme ça, pour nous, c'est de se dire que quand ils sortiront de ce chantier, peut-être qu'ils auront appris un certain nombre de choses et qu'ils aborderont après leur manière de travailler différemment.
ce chantier s'inscrit effectivement dans la démarche BDO, qui est la démarche bâtiment durable Occitanie. Le paramètre écologique s'applique également sur la gestion des déchets, des tris sur le chantier. Et sachant qu'également, nous avons essayé de réutiliser un certain nombre de matériaux du rocher que nous avons pu extraire, que nous avons réutilisé pour faire les supports de poteaux de terrasse. On pourra le voir, ce qui sont des blocs de rochers issus du site. Et c'est respecter un lieu, respecter un site et essayer de faire au mieux, de trouver le bon équilibre, le meilleur équilibre dans tout ça. C'est 3 bâtiments, c'est 11 logis qui viennent s'échelonner comme ça sur naturellement sur le terrain en s'orientant, en partant du nord vers le sud, en descendant. Et un bâtiment commun qui s'appelle donc la Casanou, qui est le bâtiment, une salle polyvalente qui va permettre aux habitants de se retrouver, de partager des moments ensemble et de s'ouvrir aussi, j'imagine, à d'autres activités qui sont extérieures, dans le but d'intégrer aussi la dynamique peut-être de l'habitat participatif avec les habitants qui sont autour, quoi. La Casanou est composée de 3 parties. Il y a du point de vue simplement de son fonctionnement, avec une grande salle commune, j'allais dire une abside, oui, parce que ça en a la forme, une partie circulaire avec un point feu qui est une espèce de point foyer de la Casanou, et des services qui lui permettent de fonctionner, une petite cuisine, une réserve, un auvent pour les vélos et un atelier de bricolage. Donc là, la particularité de la Casanou, c'est pas tant la partie ossature bois pan carré, parce que ça s'assimile à la même chose et c'est juste biais finalement, donc c'est pas non plus tellement problématique. Par contre, c'est le raccord de comble qu'on a avec la partie conique, où là, effectivement, c'était un peu particulier. Alors en conception, fabrication atelier, c'était pas si compliqué que ça, puisque finalement, on avait les éléments pour les débiter. Voilà. Par contre, c'est au levage et à la réalisation sur chantier où c'était un peu plus compliqué. Ce qui a nécessité, sur l'initiative du chef d'équipe Zdenek, de faire effectivement une sorte de support en fait provisoire qui permettait de lever en fait l'ensemble des caissons. En fait, les caissons de toiture, sur les autres parties, on avait un support sur lequel on venait se poser. Mais là, sur une conception comme ça, finalement, ce sont les caissons eux-mêmes qui se tiennent les uns avec les autres. Et heureusement qu'on a des gens qualifiés, parce qu'autrement, c'est pas du courant. Ça, c'est... Je pense que même dans la région, je suis pas sûr que vous trouviez ça. Voilà. Là, c'est des choses qui sont. C'est là, on va dire qu'on s'assimile un peu plus à des artisans, à un travail d'artisanat, et donc, c'est-à-dire dans le sens qualitatif, et temps passé à la réalisation qualitative de l'ouvrage. Cette notion de qualité pure, du travail bien fait, s'entend, vient de l'artisanat à la base. Et là, on revient un peu à cette notion d'artisanat, d'adaptation à l'existant. D'un octogone, hein, schématiquement, à facettes,
et il faut arriver à une forme ronde. Ce que ça nous a imposé de rajouter des formes de pente sur les dessus d'acrotères, parce que à vouloir rajouter des formes de pente, ça c'est les règles de l'art, en étanchéité sur bois, on est obligé de maintenir une forme de 3%. Et ça, effectivement, c'était pas forcément conçu, enfin c'est pas conçu, mais pensé comme ça, et ça a engendré des adaptations qu'on a dû faire sur le chantier. Deuxième particularité, on le voit assez facilement, c'est qu'on est sur du Red Cedar et on reste sur des matériaux qui sont, comme je le disais, incompatibles avec, avec le zinc par définition. Donc on est obligé de on a utilisé du cuivre pour la partie hébergement. Donc on a utilisé là de l'alu sur les côtés et sur d'autres pièces complémentaires du cuivre. Voilà. C'est un peu le point singulier. Et le choix qu'on a fait, c'est d'associer cet espace circulaire, de lui associer une espèce de chapeau pointu qui va attraper la lumière tout en haut, pour avoir dans les différents espaces proposés un point singulier, un point foyer, un point qui identifie finalement cet élément collectif, c'était ce centre. J'ai été mandaté par l'entreprise Chazelle pour faire la projection de ce qu'on appelle le béton de chaux chanvre. On a fait un mélange de chanvre, de paillettes de chanvre autrement dit, et de chaux. La chaux, c'est la partie grise qui est dessus, la paillette elle est blanche normalement. Et la chaux sert de colle. Donc la chaux va coller les paillettes entre elles. Et c'est l'enchevêtrement de paillettes qui va faire une matrice et qui va faire la matière en fait, et qui va emprisonner de l'air. Et du coup, tout ça emprisonne de l'air, et on sait que dans un matériau isolant, c'est essentiellement l'air qui isole. Et donc, d'un côté, on a le chanvre, de l'autre côté, on a la barbotine. Et les deux arrivent dans une lance spéciale où on va projeter le chanvre au centre et la barbotine autour, et qui va ce qu'on appelle faire un enrobage du chanvre pour que les paillettes se retrouvent avec un petit peu de chaud et que du coup elles se retrouvent à coller les unes aux autres. On cherche l'équilibre entre le maximum de chanvre, le minimum de liant, de chaux ou d'argile pour avoir le plus d'isolation possible. De plus en plus familier avec ces projets collectifs qui sont dans tous les cas vraiment notre esprit à nous de construire ensemble et avec ces matériaux biosourcés. On est dans la dominance de relations commerciales, là c'est des relations de vie à vie. Ce travail-là, il est riche, il est aussi compliqué, parce qu'on est dans une société conservatrice, de faire progresser pour exprimer et faire exister des expériences qui montrent que d'autres façons d'habiter, d'autres façons de décider, d'autres façons de fabriquer, d'autres façons de penser sont possibles. Une de nos forces, vraiment, c'est d'avoir su trouver au fil du temps nos accompagnateurs. Je crois qu'on a fait vraiment des bons choix, même si parfois on a commencé avec l'un et puis finalement continué avec un autre. Je pense que ça a vraiment été une des forces de ce groupe, que de savoir trouver les accompagnements. Puis tout ce qui est la façon de prendre les décisions, le fonctionnement par consentement, qu'est-ce que voulait dire participatif vraiment dans le concret des décisions. Et ça, on peut le découvrir avec des textes, avec des machins, une personne qui vous fait travailler, avancer là-dessus, je pense que c'est vraiment important. Concevoir ensemble un projet et habiter ensemble,
Je trouve que c'est une démarche forte pour des personnes, et donc ce projet s'intègre tout là-dedans. Donc ça, c'est une chose pour moi importante. C'est un projet d'habitat participatif. J'apprécie beaucoup quand même dans le groupe qui s'est constitué l'écoute et j'allais dire la manière, la gouvernance un petit peu partagée pour prendre des décisions. Je trouve que c'est assez intéressant et que ce groupe fonctionne pas mal par rapport à ça. L'année dernière, en 2020, donc S'entretenir, c'est une association qui accompagne des collectifs, qui accompagne des groupes qui souhaitent vivre ensemble. Et notre spécificité, c'est vraiment de les accompagner à prendre soin de la relation, en fait, à ce qui se vit entre eux dans la dimension humaine. Parce que la majorité des projets, en fait, ce qui est difficile pour eux, c'est cette dimension-là humaine. Finalement, les questions techniques, juridiques, on trouve des solutions, mais le facteur humain, de réussir à vivre ensemble, et c'est ça qui est parfois difficile. Ouais. Parce que la mésange, elle est un peu bavarde, elle chante beaucoup. Et Mylène, il la porte aussi beaucoup par le verbal dans le projet. Et on a beaucoup avancé dans notre manière de communiquer entre nous, en apprenant à se connaître, en étant accompagné aussi par des personnes extérieures au cours de nos réunions en plénière, sur nos prises de décision. Et ça, c'est aussi très rassurant. En tout cas, pour moi, ça l'est, parce que je vois qu'on arrive à avoir des avis quand même assez différents sur certains sujets et à arriver à en discuter, quitte à ce qu'il y ait des émotions qui sortent à certains moments, mais à ce que ça se passe bien et qu'on arrive quand même à avancer, quoi. Prendre des décisions et avancer dans le cheminement et dans ce qu'il y a à faire pour que le projet voit le jour. Tarde d'embarquer, ça c'est évident. C'est tout à découvrir, à construire, il y a toute une nouveauté qui est hyper intéressante. Là, quand je pense à l'emménagement dans quelques mois, je trouve ça assez excitant de se dire qu'on va aller installer nos affaires, nos meubles dans une maison qu'on a quand même pensée. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour dans ma vie de faire ça. Dans une construction, on parle de l'ambiance intérieure, de la température intérieure, du confort intérieur. Mais je pense qu'aujourd'hui, depuis déjà pas mal de temps, depuis un demi-siècle, il faut faire attention à la modification du climat extérieur, c'est-à-dire ne pas offrir au soleil des choses qui se réchauffent beaucoup avec des toitures minérales, que ce soit de la tuile ou que ce soit du gravier sur des terrasses, qui sont des matériaux qui vont beaucoup s'échauffer en été, qui vont devenir très très chauds. L'intérêt d'une couche de terre sur les toitures, c'est d'offrir, si vous mettez un thermomètre sur une zone goudronnée et sur une zone végétale,
À 3 mètres de distance, il y a des écarts de température phénoménaux. Alors sur ces toits-là, ça ne sera pas de l'herbe, hein, ça sera plutôt des plantes de type plantes grasses, sédum ou autre. Ça reconstitue une couche vivante qui est adéquate pour les insectes. En période de pluie, avant que l'eau coule dans les gouttières, on imbibe la terre sèche et puis ensuite seulement elle se met à couler dans les gouttières. C'est-à-dire que quand la pluie aura cessé, il y aura de l'eau qui pourra s'évaporer. L'évaporation est importante parce que c'est ce qui alimente les nuages faisant la pluie, etc. C'est tout un circuit auquel on contribue modestement à remettre en place pour compenser les surfaces qu'on a durcies par les chemins, par tous les endroits où nous nous déplaçons et qui n'ont plus cette qualité-là d'amortisseur hydraulique. C'est le projet, comme je le disais à l'instant, qui a obtenu aujourd'hui le plus de points à travers la démarche parmi les 175 projets qui ont été reconnus BDO à ce jour. Donc c'est une vraie fierté de voir ce projet arriver puisqu'on a un vrai suivi, on voit l'engagement de l'équipe projet, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, mais aussi les entreprises qui ont pu participer au chantier. Donc c'est un réel plaisir de pouvoir mettre en avant tout ce savoir-faire et derrière en plus que ça va servir aux autres porteurs de projets pour aller chercher des solutions innovantes, reproductibles, à coût abordable aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est un super retour. On a une douzaine de projets en habitat participatif aujourd'hui dans la démarche et c'est le seul qui va aussi loin sur toutes les lignes de la démarche. Voilà, donc bravo à Gécologie parce que on voit que vous avez poussé les curseurs très très haut. Bien. Ouais, et toi? Bah, je suis dans les cartons. Toujours dans les cartons. Alors ce matin, de mon lit, vraiment, une vue sur le lever de soleil à côté de la maison là, et puis les orions et les étoiles jusqu'à tard. Je pensais pas avoir autant de ciel, tu vois. Elle est où la lessive et tout? Ah, je sais pas. Petit à petit, il faut que je... Ouais, ouais. Ça n'a pas l'air, mais ça s'organise. Tips quoi. Un peu de space, comme disent les Anglais. Se sentir un peu tranquille, quoi. Et puis les périodes de changement, pour nous, c'est... passer d'un état de projet qui a duré longtemps. Pour moi, ça va faire presque 9 ans. La clé quoi, de la caisse à vivre, elle est dehors ou... C'est très... on est filmé. Ah ouais, là, il faut pas demander que ce soit pas filmé, là, juste avant que tu me dis où est la clé. Hein, il faut couper.
chantier aujourd'hui, la question de l'intervention des artistes. Les artistes, c'est bon pour le musée et les galeries, c'est pas bon pour les chantiers. Notre culture a séparé ces deux choses-là. Cette séparation-là, elle est dommageable pour tout le monde. Elle est dommageable pour les gestes des artisans qui peuvent pas, qui sont réduits la plupart du temps en poseurs et non plus en fabricants, en créateurs vraiment. On essaye d'introduire petit à petit des choses. On essaye d'avoir une pratique artistique nous-mêmes. Des gestes certes modestes, mais voilà, qui sont l'amorce de ce chambardement-là, sachant que les circonstances collectives, la pensée collective, l'imaginaire collectif a séparé ça. Et voilà, c'est une des choses que l'écologie a reconnecté ensemble pour faire que voilà, la science la plus rigoureuse soit associée à l'art le plus subtil.